septembre 2006, finalement, les Nations Unies ont réintroduit le DTT en reconnaissant qu'il n'était pas nocif. Et sachant qu'entre-temps, sur 30 ans, il y a quand même 1 à 2,5 millions d'Africains qui meurent tous les ans de malaria. Il n'y a rien pour remplacer véritablement le DTT. Donc vous voyez, voilà, on a interdit le DTT en ignorant que c'était vraiment un produit extrêmement efficace contre le paludisme et qui sauvait des vies, tout simplement. Alors, vous parlez un moment dans cette partie-là des entreprises privées, mm-hmm. et vous dites, elles intègrent finalement ce principe de précaution. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être grâce à cette sensibilisation constante depuis des années et des années sur ces questions environnementales. Parce qu'avant, les entreprises privées pouvaient avoir un côté free rider, c'est-à-dire pas vu, pas pris. Oui, mais enfin, à partir du moment où on considère qu'elles peuvent échapper à leurs responsabilités. Enfin, je veux dire, aucune... Les entreprises responsables, c'est quand même assez nouveau dans la terminologie. Oui, parce que maintenant, on communique sur l'entreprise responsable, comme on communique sur l'entreprise propre, comme on communique sur le développement durable, etc. Mais les entreprises n'ont jamais eu besoin de communiquer là-dessus parce qu'elles l'ont toujours fait comme une nécessité. Je veux dire, au sein d'une entreprise, vous avez toujours des forces extrêmement puissantes, les unes qui vont vers beaucoup plus, enfin, vers la conservation, vers, enfin, je dirais, des forces conservatrices, qui analyse les risques d'une action, etc. Puis de l'autre côté, comme vous avez la concurrence... Est-ce que c'est, Cécile Philippe, c'est pas une vision un peu idéaliste de l'entreprise? Non, je pense pas. Au contraire, en plus, aujourd'hui, je trouve que c'est d'autant plus important de le rappeler parce qu'on considère que les entreprises, qui sont quand même composées d'individus comme vous et moi, sont complètement irresponsables, passeraient leur temps à nous cacher des choses, à vouloir mettre sur le marché des produits qui vont nous tuer. Mais c'est pas le monde dans lequel on vit. Les entreprises produisent des choses qui nous bénéficient en général. Et quand elles font des erreurs, elles sont dramatiquement sanctionnées. Donc elles ont tout sauf intérêt à le faire. Et je pense pas que ce soit une question de mettre le mot responsable ou de mettre le mot durable. Ça a toujours été extrêmement important pour une entreprise de soigner sa réputation et évidemment de pas provoquer des morts dans le pire des cas. Alors, sur la question des OGM, donc 99, il y a eu un moratoire sur les OGM à la demande de la France, mm-hmm. donc au niveau européen, ouais. Directive européenne depuis 2001 que la France n'a pas encore transposé dans son droit. La France est assez souvent en retard sur ces questions de transposition dans le droit français. Donc là. Encore, il y a quand même beaucoup de peur autour des OGM. On voit les actions de José Bové. Les OGM, c'est bien, c'est bon. Vous citez l'exemple américain. Encore une fois, j'ai toujours cette même attitude par rapport à un problème, c'est-à-dire de pas tomber dans il y a que des problèmes aux OGM. Ben, il y a aussi beaucoup de bénéfices. C'est le riz doré. C'est ce riz qui permet donc d'apporter de résoudre en partie les carences en vitamine A. Il y a des moyens de réduire les déchets. C'est le moyen d'augmenter la productivité des terres. Il y a certains OGM, on peut les mettre dans des terres complètement, qui sont pas suffisamment bonnes pour produire, exactement. Ouais. Donc finalement, les OGM ont quand même des bénéfices. Oui, certains. Et en même temps, il y a aucune crise alimentaire depuis qu'ils sont consommés. Ça fait déjà maintenant pratiquement, je lis dans mon livre, plus d'une dizaine d'années, mais ça fait pratiquement 15 ans que les Américains les consomment. Et il n'y a strictement aucune crise alimentaire qui a été provoquée. Les effets sont peut-être à long terme. Parce que vous citez quand même cette étude en la réfutant après, l'étude de de Puzai, mm-hmm. qui avait fait ingérer à des souris des organismes génétiquement modifiés. Il y avait quand même eu une baisse de l'immunologie de ces souris, ouais. Et ça vous la réfutez. Pourtant, il y a quand même. Mais c'est pas moi qui la réfute, parce que moi je suis pas la scientifique. Ouais. Mais ce que je cite, c'est qu'effectivement, il a même été licencié parce qu'il n'avait pas respecté les règles d'analyse. Donc finalement, on ne pouvait rien conclure de son étude. Et néanmoins, elle a servi pour créer un peu pour un peu stigmatiser les OGM. Donc
finalement, c'est, je la cite parce que justement, elle a été importante dans un peu un, une sorte de critique un peu aveugle des OGM, en oubliant, et moi, c'est toujours pareil, c'est, je dis, il faut pas oublier que ça peut résoudre un certain nombre de questions. Ça peut résoudre notre, la question va véritablement se poser avec l'augmentation de la population, avec les 9 milliards. Alors pour les pays pauvres justement, vous dites ça, ça peut être une solution pour les pays en développement notamment. On avait vu quand même il y a quelques années, en Inde notamment, ces paysans qui buvaient qui avaient bu, c'était Monsanto, je crois, l'entreprise, hein, qui avait commercialisé ces graines, qui ne pouvaient pas se reproduire, qui créaient une dépendance entre les paysans et l'entreprise. Oui. Donc, mais alors vous savez que cette histoire de semences, vous parlez des semences stériles. Mmh. Alors ça c'est tout un débat ça encore, parce qu'en fait c'est une pratique extrêmement répandue que d'utiliser des semences stériles. Et en plus ces semences stériles elles sont aussi créées, notamment dans les cas des OGM, pour répondre à un problème que provoquent les OGM, c'est que tous les agriculteurs veulent pas faire des OGM. Et ça, je comprends tout à fait. Certains veulent rester dans les zones. Oui, mais dans vous savez bien qu'il y a un effet, il y a une propagation. Mais, absolument, mais ça dépend. Après, il y a plein de scientifiques qui bossent là-dessus, justement, pour savoir quelles sont les zones tampons qu'il faut au minimum avoir, comment on minimise ces risques de contamination. Et c'était une des réponses, la semence stérile. Hein. C'était justement pour éviter que les OGM puissent contaminer, en fait, d'autres champs. Donc, vous voyez, c'était aussi une réponse. Et ça a été systématiquement, vilipendé, critiqué, et effectivement au nom des pays pauvres, vous voyez, enfin, ou d'un accès difficile. Alors, autre question qu'on a entendue dans le débat également sur les questions environnementales, le pétrole. Alors, pour vous, on parle beaucoup, il n'y aurait plus que 40 ans de réserve, enfin bon, beaucoup de propos là-dessus. Vous vous dites, on ne va pas vers la fin du pétrole. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer ça? Disons que je vais quand même être plus prudente. Je ne dis pas on va pas vers la fin du pétrole, puisqu'effectivement, c'est une énergie non renouvelable. Ce que je dis, c'est que finalement, déjà en 1914, le Bureau des mines aux États-Unis annonçait qu'il restait 10 ans de pétrole. Et alors après, des pronostics comme ça, vous en avez eu au cours du siècle, mais des dizaines. Le charbon, pareil. Ça a été annoncé en permanence. C'est la fin du charbon. On n'en aura plus finalement aujourd'hui. Vous voyez, les mines, elles sont pleines de charbon. Et donc, c'est ce que je dis. Oui, mais après, il y a un taux d'extraction qui est plus élevé. Enfin, qui est en permanence remis en question par des innovations en tout genre qui vont de l'amélioration de l'extraction. Et vous savez que les 10 plus grands puits de pétrole aux États-Unis qui ne sont plus exploités aujourd'hui, il y a encore 63% de la ressource à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a encore des progrès. Oui, mais si c'est plus exploité, c'est que ça coûte trop cher. Eh ben oui, mais justement, au fur et à mesure, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'au fur et à mesure que le prix du pétrole augmente, ça rend possible d'investir dans des nouveaux moyens d'extraction, dans des nouvelles innovations, dans des substituts aussi, et progressivement de remplacer le pétrole ou d'en produire plus. Vous voyez. Donc finalement, moi, mon sentiment au vu de tout ce qui s'est passé et si on ne bloque pas les innovations dans ce domaine-là, parce que finalement, si on les avait bloquées, on n'aurait déjà plus de pétrole, hein, je pense. Mais si on les bloque pas, on aura certainement trouvé des nouvelles sources d'énergie avant même que le pétrole n'ait disparu.